les années 70-80, nous connaissons ça, secteur touristique pour Haïti. Et Haïti, en quelque sorte, c'était une destination prisée de la Caraïbe en termes de tourisme. Mais chaque touriste qui était venu, bien sûr, était venu en immersion dans la culture, non tout, qui fait que tu as regardé Péristilio, peut-être qu'il y a des comment que nous-mêmes nous vivons, mais aussi tout, que l'artisanat a fleuri. Et là, nous regardons dans les années 70-80, ok, et même fin des années 80, bon, mi-80, avant les troupes politiques, on regarde ouais, que tu as 4 compagnies, à eux-mêmes seulement en Haïti, tu as expédié près de 40 à 50 conteneurs de produits artisanaux. Je dis, nous pas gain chiffre ça yo. Non, nous pas gain yo. N'a travail et c'est pour ça que avec touristes qu'on y a avec ministère tourisme parce que gain des étrangers qui viennent, le touriste rentre, il besoin cadeau tout, mais secteur artisanal il pas vivre seulement deux monde qui viennent yo ni nous-mêmes tout de haïtiens qui nous-mêmes cap acheter. Non. Secteur artisanal en plus vend de exportation de ça que nous-mêmes que monde étranger que y a consommé. Et en ce sens on regarde que gagne des entreprises ici, gagne des ONG tout, qui travaille avec des artisans. Le temps avec artisans yo, yo capable, yo faire créer des modèles, yo viennent avec des designers tout, et puis qu'on y a yo encadré yo, et yo fait, yo joigne des contrats pour yo. Mais contrats ça yo pour capable arriver dans ordre 40 à 50 conteneurs que nous te qu'on gagne, j'aime dis nous dans les années 70-80. N'a travaille toujours sous ça. Et en plus de ça, qu'on y a, comment qu'on est capable? Parce que dans mon map fait on a détaillé plus secteur artisanat parce que nous artisanat, nous même nous peut-être ouais et le faire découper, ok? Mais c'est pas seulement ça, parce que secteur là gagne plusieurs bagages là-dedans, gagne les perles, gagne faire découper hein, gagne aussi le papier mâché que nous tous connaissons qui retrouvé le Jacmel et tout. Ensuite, nous gagne tout. Nous gagnons tout et la tannerie, ok, on a le cuir, on a tout ça. Mais pour me dire sincèrement, avec toute étude que nous avons, nous avons réalisé que et ça qui plus vend dans le secteur artisanal, c'est le fer découpé. Ensuite, après ça, on regarde où je à pierre maintenant. Allez au GAN que vous pouvez retrouver aussi. Et puis, on a bien sûr tous les autres et produits que nous avons aussi dans l'artisanat. La peinture, bien sûr, parce que là, vraiment, l'art haïtien est connu à travers le monde et surtout la peinture.